Souleymane Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin Monsieur Abdelwahab Ziani, président de la Fédération agroalimentaire. Monsieur Abdelwahab Ziani, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler ce matin d'un secteur ô combien important, la production agroalimentaire qui demeure faible. Pourtant, la production agricole est assez importante. Elle représente pratiquement 10% du PIB, produit intérieur brut. Alors, la première question, pourquoi? Pourquoi ce constat aujourd'hui, Monsieur Ziani? Tout simplement, d'abord merci de m'avoir invité et de parler de ces questions qui sont un peu à l'ordre du jour. Effectivement, la production agricole est très importante dans notre pays, notamment aussi dans le sud du pays. Aujourd'hui, je voudrais dire que l'industrie transformatrice est très en retard par rapport un peu à ce qui a été mis en agriculture. La transformation aujourd'hui, elle est vraiment à la baisse, c'est vrai, mais je voudrais dire avec cette conjoncture qui est un peu que nous passons actuellement à cause du pétrole, etc., et cette baisse des revenus sur l'Algérie, effectivement, l'industrie a trouvé plus facilement d'importer certaines matières premières que de les consommer nationalement. Donc aujourd'hui, effectivement, il faudrait revoir un peu toutes les structures qui sont, par exemple, je citerai un cas, qui sont les subventions du nord vers le sud. Et il faut inverser cette subvention qui doit être le sud vers le nord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, transporter des produits agricoles du sud vers le nord, ça coûte très très cher. Il n'y a pas de subvention. Alors qu'il y a des subventions du sud, du nord vers le sud. Alors justement, vous avez abordé la question de l'importation. Le recours systématique à l'importation des produits agricoles transformés est-il plus facile que produire local? Puisque nous avons vu au niveau de nos étals, au niveau de nos marchés, nous sommes envahis par les produits importés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire recours à l'importation est plus facile que... Justement, c'est ce qu'il faut inverser cette tendance. Parce qu'aujourd'hui, c'est parler à tous nos industriels de trouver toutes les matières premières et de consommer national. Parce qu'aujourd'hui, il y va de faire des économies sur nos devises. Il ne faut pas les gaspiller n'importe comment. Je citerai un petit cas rapidement. C'est le concentré de tomates, le triple concentré de tomates que nous importons facilement. Et nous avons tué tout ce secteur. C'est aujourd'hui qu'il revient... Il faudrait encore l'encourager parce qu'aujourd'hui la tomate algérienne était la première qualité mondiale et aussi la plus grande production mondiale. Et c'est vrai que nous avons perdu cette première place, mais nous battons pour la reprendre. On aimerait dans le futur à venir être parmi les 5 premiers géants dans le monde des exportateurs de la tomate. On a les moyens. Le sud est regorge de soleil et d'eau. Et aujourd'hui, il y a quelques industries qui se sont installées avec toute la région de Skikda et de Annaba qui ont repris cette industrie qui était à l'époque notre fleuron et notre fierté. Alors, quels sont les obstacles qu'il faut lever pour libérer ce secteur aujourd'hui à valeur ajoutée? Il n'y a pas aussi que le double concentré de tomates. Il y a, par exemple, de la confiture. Il y a aussi la poudre de lait que nous n'arrivons pas à sécher aujourd'hui. Pourtant, nous avons les potentialités. Pour la poudre de lait, je ne pense pas que nous avons la potentialité aujourd'hui de faire sécher du lait en Algérie parce que nous ne sommes pas en production... assez excédente. Par contre, il y a ce qu'on appelle les bassins laitiers, c'est vrai qu'ils produisent un peu plus par rapport aux autres régions, mais si on donne un peu le cas de la Chine qui a racheté dans le nord de la France des sociétés donc, qui sont excédentaires de lait, qui sèchent du lait dans cette région pour exporter ça en Chine. Là, on aurait pu faire le cas comme ça pour s'en débarrasser de tout, parce que l'Algérie ne pourra jamais produire 100% de son lait en Algérie et notamment sécher le lait. Par contre, vous me donnez l'occasion de parler sur le lait. Effectivement, nous avons fait un net recul de la production nationale du lait cru en Algérie. Nous avons mené une politique depuis 2007 jusqu'à 2014. Il y a eu un échec parce qu'il n'y a pas eu de suivi justement de nos autorités par rapport à toutes les politiques que nous avons conseillées pour produire plus. Effectivement, on a apporté des subventions, etc., pour aider tous les secteurs, qu'ils soient les collecteurs, les producteurs de lait, les éleveurs eux-mêmes. Mais seulement cette politique n'a pas mené à bout de relever au moins 50% de notre production. Nous sommes arrivés à peu près à moins de 400 millions de litres par an de lait cru en Algérie. Maintenant, nous sommes en net recul, nous sommes à moins de 300 millions. Et ça, c'est dû à la politique qui n'a pas été suivie. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez sur le marché mondial, il y a la poudre de lait qui recule. Auparavant, elle coûtait 5-6 000 dollars la tonne. Aujourd'hui, elle coûte moins de 3 000 dollars. Donc, on parlait tout à l'heure,
C'est normal que les industriels ont un recours d'importer facilement de la poudre de lait parce qu'aujourd'hui, elle a reculé sur le marché mondial. Donc, ils achètent de la poudre de lait. Et ils oublient que le lait de vache est là sur place et subventionné par l'État. Mais l'industrie ne veut plus collecter parce qu'il y a énormément de problèmes autour de ce lait. Mais justement, par rapport à ces questions, quels sont les obstacles qu'il faudrait impérativement lever aujourd'hui? Parce que concernant justement la poudre de lait, nous sommes le deuxième grand importateur mondial. Aujourd'hui, la poudre de lait. Oui, aujourd'hui, on a la chance d'importer de la poudre de lait parce qu'il y a un net recul sur le marché mondial. Mais demain, elle peut remonter encore à 7 000 $ et on n'en trouvera pas. Donc, il faut revenir sur la politique de la production locale, c'est-à-dire la politique de la production du lait de vache. Il faudrait renvoyer un peu toutes ces subventions. Ce qui a tué, en fait, la construction de toute cette production de lait, par exemple, en Algérie, ça a été la répartition de subventions. Et aussi, ça a été la responsabilité de l'entreprise de payer ses subventions. Ça veut dire que c'est l'entreprise, elle, qui doit payer le collecteur et qui doit payer l'éleveur. Alors qu'on a dit dans le passé, depuis 2007, on devait créer des coopératives de lait et tout le lait cru devait venir à la coopérative. C'est la coopérative, comme dans le monde entier se fait, qui gère le collecteur, le fellah, l'éleveur, etc. Et bien sûr, la laiterie viendrait s'approvisionner dans cette collecte géante de lait. Il ne faudrait pas un peu faire des politiques qui n'ont pas réussi ailleurs. Est-ce qu'on a habitué les producteurs à la facilité avec les quotas qui sont distribués de la poudre de lait importée par l'ONU illégalement? Bien sûr, écoutez, qui est malheureusement, au lieu de servir à la production de lait... Aujourd'hui, c'est vrai que, pour dire que notre syndicat, la CIPA, a créé l'ONIL avec notre gouvernement pour être justement le tampon entre les producteurs et les collecteurs et les éleveurs. Malheureusement, l'ONIL est devenu qu'un revendeur de poudre de lait et n'a pas mené une politique accrue de la production laitière en Algérie. Aujourd'hui, ces quotas ont fainéantisé même l'entreprise parce que l'entreprise, maintenant, elle veut acheter que de la poudre de lait, transformer et vendre, tout simplement. Et non pas aller mener une politique de production laitière qui en baisse actuellement, c'est malheureux. Aujourd'hui, vous avez tous les éleveurs veulent faire des manifestations, veulent sortir avec leur cheptel, veulent ceci, parce qu'il n'y a pas une politique de suivi entre l'éleveur, le collecteur et la production nationale, c'est-à-dire le producteur laitier. Alors justement, par rapport à toutes ces questions dans le domaine de la transformation, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui les producteurs? Puisque nous avons du potentiel, il y a de la pomme de terre où nous sommes excédentaires, nous avons beaucoup de potentialités, nous avons d'autres domaines également où nous pouvons exceller. La tomate industrielle, il y a eu un net recul, mais là ça reprend graduellement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Écoutez, aujourd'hui, il faudrait dire que nous sommes en mode survie. Les entreprises sont en mode survie. Aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait eu un drame sur le pétrole international. Il y a eu tout ce malaise pour qu'on puisse revoir l'entreprise. L'entreprise, ça fait longtemps qu'elle crie au secours, au secours. Nous avons mené des triparties, des recommandations, de tout. On a tout fait. Mais aujourd'hui, on ne nous écoute pas très bien. Pour avoir une assiette de terrain, on parlait de terrain, oui, les zones industrielles, réhabiliter, etc. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il faudrait... Mais il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui. Donc, cela veut dire qu'après tant d'années, on commence à vous écouter. Il y a des choses qui se concrétisent. Il y a un nouveau code des investissements. Il y a des facilitations qui sont octroyées pour la réalisation des zones industrielles. Bon, c'est difficile à mettre en œuvre. C'est un fait. Mais il y a des choses qui sont prises en charge aujourd'hui par le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il faudrait lever comme verrou pour dynamiser ce secteur? Écoutez, aujourd'hui, entre ce qui est dit et ce qui est pratiqué sur le terrain, c'est différent. Comme je vous ai dit, nous sommes en mode de survie. Il y a beaucoup de mortalité d'entreprises.